Allez, terminus. Le terminus ? Ouais, vous pouvez pas rester là. Bon, Alice est confiante, hein, toujours. On doit descendre. Par où aller? Elle est épuisée et il pleut des cordes. On peut pas rester un peu ici. Ce bus retourne au dépôt, je peux rien faire pour vous. Il va me parler d'un truc avant de sortir, non? Parle-moi d'un truc. Oh le connard! Pour la nuit. Trouver un abri pour la nuit. Allez, Alice, on doit se dépêcher. Il y a plein de trucs à regarder. C'est quoi, il va falloir que je choisisse le meilleur abri en fait. Mais je peux quand même regarder tous les abris que je vois juste pour avoir l'info, non? Waouh! Et ouais, selon l'abri, ça change tout. On cherche quelque part où dormir. Tu sais où on pourrait passer la nuit? Ils sont pas prévus pour parler, les mecs qui portent les courses. Bizarre, bizarre. Drugstore, je parie que c'est ça, hein. Ça, je vais pas là-dedans, moi. Voilà, drugstore. Hey, hey. Forcément. Il y a plein d'endroits. Ouvert 24h sur 7, impossible de rester. Ah ouais. N'ouvrira qu'au matin. Confortable, mais pas discret, il faudra de l'argent. Et on n'a pas d'argent. Inconfortable, mais sans danger. Comment entrer? Très inconfortable, mais discret. Ouvert 24h sur 24, impossible de dormir ici, demander de l'aide. Non, parce que je sens qu'il va dire que j'ai capturé une enfant, je sais pas quelle connerie encore. Le magasin est fermé. Faut aller là-bas, quoi. J'y crois pas trop. Une maison abandonnée. Au moins, on sera au sec là-dedans. Clara, j'aime pas cet endroit. Je sais. Mais c'est juste pour la nuit et personne ne nous trouvera ici. Bah oui, bien sûr. Le grillage peut être coupé ici avec une pince coupante. Le grillage peut être coupé ici avec une pince coupante, ouais. Va falloir acheter une pince coupante. Mais dans ce cas-là, ça vient au même que d'acheter dans le motel, quoi. Il n'y a rien d'autre par là. Où est-ce qu'il peut y avoir une pince coupante?
Veillez sur Alice. Trouve un abri pour la nuit. Demain dans la maison. Oh là 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 là. Voilà l'endroit de parquet. Et donc il y a plein de trucs. Plein de trucs à faire quoi. Ça va, j'ai pas trop froid. Tu as l'air perdu. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. Tiens, Alice. Merci d'emprunter les bus de Détroit. Mais c'est bien marrant, mais... Comment qu'on fait là? Je ne sais pas du tout. Par contre, j'ai pas à vous mentir, j'hésite à... Putain, j'ai envie de refaire Connor. Est-ce que je peux refaire Connor et que ça s'applique à mon aventure? Oh la BOD. Ouf. Et là, je commençais à vraiment à pas être bien à cause de Connor. Depuis tout à l'heure, ça me tilte énormément, d'accord. Sachez-le, hein, énormément. Mais bon, je viens de voir quelque chose. Sachez que ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer dans le sens où paraît-il que c'est le seul personnage qui peut ne pas forcément vraiment mourir. Je pense tout simplement j'avais raison, hein. Parce que bah voilà, c'est pas le... Bon déjà on n'est pas encore déviant, si, à part si on le sera peut-être jamais même, mais on n'est pas déviant, comparé aux deux autres. Et on est quand même dans des services de police, tout ça, enfin ils ont de l'argent, tout est... C'est certainement la ville qui paye ça, donc bah on peut se faire réparer quoi j'imagine. Hein. Parce que si avec Kara je meurs, ou quelqu'un d'autre je meurs... Personne va vouloir nous réparer. Hein. Là je pense que c'est ça la différence. Je pense qu'on a les amis qu'il faut pour nous réparer quoi. Surtout qu'Hank il était devenu neutre et tout ça. Le magasin est encore ouvert. On devrait peut-être rentrer. Au moins tu seras au chaud. Et bah ouais, pince coupante forcément. Outil pour grillage du squat, bah ouais. Ça ne m'étonne pas. Je voulais aller là dès le début pour le faire. Mais lui, il va m'embêter, non? Mais est-ce que le fait de voir des choses, ça me l'indique dans l'arbre? Entrer dans le supermarché. Oh bordel! Ah, mais maintenant que je suis rentré, c'est trop tard, il n'y a plus de... Ah, mais si, c'est que la maison, elle est par là aussi, en fait, non? Bon déjà c'est bien, on sait qu'il a des caméras, bon on les voit, hein. Donc faut pas voler. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre? Merde. Une androïde sans abri? Ça c'est la meilleure. Écoute...
T'es dans une supérette, pas à l'armée du salut, ok? Je veux la pince coupante. Je pense que tu ferais mieux de t'en aller si t'achètes rien. Oh là! Non, je vais pas... Non, bah non. Je vais pas voler non plus l'argent, là. On est bien d'accord que pour acheter, il faut prendre et lui emmener. Il va pas me dire que c'est du vol. Non, mais je peux pas prendre pour l'instant. Ah bah oui, forcément. Ah bah oui. Ah, il va le savoir, ça, non? Il faut pas prendre de toute la caisse non plus. Sinon, il va le voir. Alice, j'ai besoin de ton aide. Tu vois ces canettes là-bas? Je veux que tu t'approches et que tu les fasses tomber. Que je les fasse tomber? Mais pourquoi? S'il te plaît, Alice, fais-moi confiance. Mais il y a les caméras. Mais il faut pas voler. Bah, mais il y a la caméra là. Ah mais les... Ça enregistre là-dedans. Ouais, il y a la caméra là. Tu vas bien? Ça va, il est gentil. Bon, t'en fais pas. C'est que des canettes. Allez, on s'en va. Mais je voulais pas. Mais c'était pour acheter. Quoi? Il va le voir? Oh merde! Merde! Merde, c'est pas ça que je voulais faire, moi! On a de l'argent maintenant! Tu t'es servi de moi pour voler de l'argent! Comment t'as pu? Je te faisais confiance! Mais ouais, mais c'est pas ça que je voulais faire, en fait! On a besoin d'une chambre pour la nuit? Alors je me suis dit que c'était une solution comme une autre. Je pense pas. Je vais pas retourner le voir? Idée. Oh, j'ai très envie, j'ai très... Ouais, mais ça va me casser mon jeu si je fais ça. Je vais perdre, je vais mourir. Sortez du supermarché. Il n'y a plus rien dans le supermarché. Vous pensez qu'il y a vraiment une suite en mode... Oh putain. Non, quand même pas. Ça va me bloquer. Trop risqué. Bah ouais. Tout... Bon bah du coup on est obligé de dormir au motel. Bon bah pas de soucis hein, mais bon c'est pas ça que j'avais prévu moi. Et ça sert à quoi? En fait j'allais voler sinon. À l'état d'âge c'est quoi? C'est pas ça que j'ai fait, j'ai pas fait du vol à l'état d'âge hein. Voler à l'état d'âge c'est quoi? C'était voler les outils. Voler discrètement. Et à l'état d'âge, je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais c'était les outils quoi. Le doudou là, tout quoi. Oh ça m'embête. J'ai vraiment... C'est un billet de 40$ là? C'est juste pris un billet quand même. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit 40$. Ah, c'est pas pour les androïdes. On rentre pas? On ne peut pas, Alice. On ne donne pas de chambre à un androïde. On doit se débarrasser de cet uniforme. Ou chercher un autre endroit. Quoi? Je peux m'habiller différemment? Ah, oh, mais c'est du génie! Oh! C'est des génies, surtout que je parle plus comme un robot et tout ça maintenant. Donc il faut que je change d'habit.
Et du coup, je serais encore moins reconnaissable, mais tout court en fait. Bon, ma tenue est trop stylée, donc c'est les boules, mais bon. Il fait bon ici. Tu vas vite te réchauffer. Oui, il doit faire bien chaud là-dedans. Non, 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 pas partir. Ok, il y a de la lecture, mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Les abeilles pollinisatrices ont officiellement disparu. La fin du buzz. Les experts en cybersécurité nous mettent en garde. Votre android s'est peut-être fait pirater. Les sites de rencontres en ligne auraient moins de 5% de membres féminins. What the fuck? Les abeilles pollinisatrices ont officiellement disparu. Scientifiques et agriculteurs prédisent la disparition des abeilles depuis des dizaines d'années. Un avertissement devenu réalité puisque l'IMPED a annoncé hier lors de son assemblée générale annuelle que les abeilles avaient officiellement disparu à l'état sauvage, mais qu'il en existe encore en captivité. Au cours des dernières décennies, les populations d'abeilles ont été ravagées par le syndrome d'effondrement des colonies, la disparition des ouvrières empêchant les runes de se nourrir. Les biologistes ont confirmé que ce phénomène avait été accéléré par l'usage excessif des pesticides, les parasites et la pollution. Ok. Les abeilles pollinisatrices ont officiellement disparu. Cette catastrophe aura des répercussions sur l'industrie du coton, les ressources d'eau, douce et, plus préoccupant, l'agriculture. La spécialiste de l'environnement Cathy Linda a souligné l'ampleur de cette nouvelle. Un tiers de la nourriture que nous consommons dépend de la pollinisation. La famine qui s'ensuivra entraînera donc des millions de morts à travers le monde. Cyberlife, en comparaison avec l'IMPED, travaille sur la création d'abeilles robotiques. Certains adoptent une approche non robotique, comme les fermes urbaines de Détroit, qui testent l'utilisation d'abeilles modifiées élevées en captivité, mais rien ne garantit pour l'instant leur réussite. Il faut savoir que dans la vraie vie, ça existe, hein, les abeilles robots. Je crois que c'est les Chinois encore, comme d'habitude, hein, toujours les Chinois. Ça existe. Hein. Mon mari a mis une androïde enceinte. Découvrez notre reportage. Quoi ? What the fuck ? Mais du coup, c'est très glauque, parce que ça veut dire que l'entreprise a prévu... Oh là là... Très glauque. La musique à nouveau sur le devant de la scène. Le grand retour des concerts live. 10 façons de satisfaire votre homme et de le garder. Ok. Oui, oui, oui. Pour les jeunes générations, il n'y a rien de plus normal que de visionner un concert chez soi en VR. Qui ne voudrait pas enfiler son casque et assister au spectacle depuis le confort du lit de son salon? C'est une façon économique, sûre et simple de garder les performances de ses artistes préférés. De regarder. Mais le milieu de la musique live est sur le point de connaître une contre-révolution. Nina et Kosuke Music a lancé une campagne qui vise à rétablir les concerts à l'ancienne, avec un public et des artistes en chair et en os. Chuck Morrison, porte-parole de NKM, explique. La culture des concerts en live appartient au passé, mais nous voulons la faire revivre. La musique prend tout son sens quand elle vibre à travers vous et quand vous êtes entouré de gens qui ressentent la même chose. Ouais, je sais pas. Break the Wall sera l'un des premiers groupes à monter sur scène. Ça va être incroyable de jouer devant un vrai public et de voir sa réaction. L'essence même de la musique, a déclaré le chanteur Baz Luhrmann. L'adrénaline, les applaudissements, les rires, les cris, pardon. Elle s'est coupée avec le truc jaune, là. On n'a pas ça en restant assis dans son canapé. Si l'opération est un succès, la prochaine étape de NKM sera de faire revivre les festivals de musique. Un geste qui devrait ravir les fans. C'est génial. Après les pixels qu'il y avait au fond. Oh non, me dis pas qu'on va lui voler ses habits, lui. Oh, la tenue de merde. Oh, c'est immonde. Ah, c'est pour Alice. Ah, ça va. Donc ça, c'est pas pour moi. Non, mais il suffit de lui demander, il sera d'accord. Tu lui demandes, regardez cet enfant, là. Ça va pas du tout. Puis c'est bon, c'est bon. Examiner le sèche-linge, ouais. Je crois que je vais être obligé de voler en fait. Ou partir finalement, mais bon. Après, les vêtements, faut que je les trouve pour moi. Ah, ils sont là mes vêtements à moi en fait. C'est ce qu'il a sur lui là. Qu'est-ce que faut que je lui demande? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, faut voler vraiment? Mais c'est pour Alice!
Oh, c'est pas possible. Dans la laverie. Je veux le réveiller, moi. Elle sait qu'on vole si on rentre là, elle se dit bien quand même. Putain. Mais voilà. Mais voilà, bah oui. On en a besoin, Alice. Il te faut quelque chose. Non, mais moi je voulais le réveiller. Moi je veux le réveiller. Ah c'est bon, elle est recontente un peu plus. Et donc du coup, arborescence, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Oui, parce que j'ai choisi de ne pas voler. Laisser les vêtements, eh ouais. Mais je peux toujours quand même les prendre. Bah on part quoi, il n'y a plus... Il ne peut rien faire d'autre là. Allez, on s'en va. En même temps, si on rentre là, la petite aurait dû se douter qu'on aurait volé. Ça ne pouvait pas bien se passer, quoi. Rester dans la maison. Alors, rester dans la maison, ça va être compliqué. Puisque... Alors, on n'y a même jamais été, en fait. Il y a un panneau à regarder. Quoi, ça a été coupé ? C'était ma rue, ça ? Ça a clairement été coupé là. Ils ont cru que j'avais réussi à le couper. Ah non, c'est pas coupé. Oh merde. Oh non. Je parie que d'aller là, c'est pas bon quoi. Mais ouais. Allez, on fait demi-tour. Putain, on va être obligé d'aller que dans des endroits pas agréables et tout, là. Ah, c'est très, très pas confortable, mais c'est sûr, non, le parking. Aussi étonnant que cela puisse paraître. De toute façon, il me reste que ça. Hein. Là, je peux plus rien faire d'autre. Dormir dans la voiture abandonnée. Bah, je crois qu'on n'a pas le choix. Hein. Mais, à mon avis, on va se faire péter la gueule là-dedans, c'est pas possible. Oh, bah y a la pince. Oh. Couper le grillage du squat. Oh mon dieu, mon dieu. Même si c'est un squat, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des mecs de mort là. Au parking. Prendre la pince coupante. Et la pince, ça ramène au truc du début, si jamais j'arrivais à avoir le truc. Il peut y avoir une fin
Dès là, ah non, c'est que c'est un choix important. Plus important que tout le reste ailleurs. Non, c'est une fin. Et comment obtenir cette fin? Je veux pas la voir du coup, moi. Non, parce que là, il y a une suite à cette fin, comment ça se fait? Moi, le truc de squat, ça me fait un peu peur. Hein. C'est pas une bonne idée. Est-ce que ça va? Oui, c'est juste une égratignure. Ah, oh, j'en étais sûr. J'en étais sûr que j'allais avoir un problème. Je le tiens toute la nuit. Ne t'inquiète pas, on va juste jeter un œil. Ah, juste jeter un œil, donc on dort pas pour l'instant. Trouve un moyen d'entrer. Bah déjà, si c'est fermé, c'est que les gens ne veulent pas de base qu'on rentre. Donc si on rentre, c'est un peu la sauce, non? Vous ne trouvez pas, vous? Regarder. Je ne le sens pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Alice? Alice? J'aurais jamais dû aller là. Bah, elle éternue. Faire entrer Alice dans la maison, d'accord. Elle est où? Elle est revenue en arrière. Waouh. Attends, qu'est-ce que tu fais? De la visite. Ralph n'aime pas les visiteurs, ils sont dangereux. Ils peuvent blesser Ralph. Je suis un robot, t'inquiète. Écoute, je suis un androïde aussi. Tu n'as rien à craindre. On cherche juste un endroit où passer la nuit. Les visiteurs sont dangereux. Mais je suis androïde. Regarde. C'est l'argument, non? Ce qu'ils ont fait à Ralph. Tu n'as rien à craindre, tu sais. On ne te fera aucun mal. Je te donne ma parole. Il faut excuser Ralph. Oui, je t'excuse. Ralph a encore du mal à contrôler ses gestes. Parfois, ses peurs lui font faire des choses qu'il regrette. Ralph a vécu des moments durs. Il a peur que les humains le ferment à nouveau. Restez, si vous voulez. Ralph vous fera pas de mal. D'accord. On reste juste pour la nuit. Allez! Venez! Allez, venez! Et il part ici! Et Ralph habite ici depuis qu'il s'est échappé. Il ne sort jamais, personne ne sait qu'il habite ici. J'aime pas ce rire à la Joker là. C'est vraiment le Joker en plus avec l'entaille et tout là. Oh là là! Oh là là! Rencontrer Ralph, convaincre. Oui, mais alors. Oh là. Oh là 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 là. Ralph, 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 qu'est-ce que tu nous fais? Comme quoi les robots aussi peuvent être autistes. Venez. Vous pouvez faire comme chez vous ici. Bah pose ton couteau déjà. Ralph va se rendre dans la pièce à côté. Il voudrait rester avec vous. Mais il a des choses à faire. Il fait des trucs bizarres, lui. C'est juste pour cette nuit, Alice. On trouvera un meilleur endroit demain. Ok. Voyons où tu pourrais dormir. Waouh. Assieds-toi, je vais faire du feu.
Caliente. Là, ils ont vraiment insisté sur le fait qu'on ait posé la pince ici. J'ai l'impression que c'est pas pour rien. Il y a quoi là-haut? Ah, c'est lui. R9. Qu'est-ce que ça signifie? Quoi? Ces symboles. Pourquoi est-ce que tu écris ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le bruit est horrible, j'aime pas du tout. IM Live, hein, comme d'habitude. Et RA9. Intriguant. Quoi, c'est le lit là? Prendre? Ah non, c'est pour prendre. Nickel. Mais qu'on le... On lui cambriole toute sa maison, c'est fantastique. La couverture, elle est là. Avec le petit coussin, oh, magnifique. Ah, elle a bien de la chance, quoi. Double coussin. C'est pour nous deux, ça, je reconnais. Tu peux venir te coucher. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas grand-chose, mais au moins tu seras au chaud. Ok, donc je peux lui parler, de toute façon c'est ça que je vais faire, hein, mais je regarde quand même. Qu'est-ce qu'on me propose debout? Oh là, il y avait un autre truc. Ah oui, c'est bah, qui tue, il me tue quoi, il tue tout le monde peut-être. C'est peut-être ça l'autre truc. Hein. J'aurais pu ne pas convaincre, et donc ça aurait fini à l'autre truc aussi, mais qui n'était pas une fin. Alors comment? Ouais, c'est juste en mode, ah non, c'est qu'on part. Si je le convainc pas, ça nous fait partir. Et avec un autre truc que j'aurais pu dire, ça me faisait partir aussi. Certainement de force, très violemment. Mais comment, en suivant Ralph? Mais non, il y a un problème. On peut suivre Ralph et quand même partir. Mais là, il y avait la porte, on est d'accord. Je crois que c'était ça, j'avais cru voir la porte en jaune. C'est pour ça que j'ai insisté avec la vision. Oui, on peut toujours partir, quoi. Bah écoutez. Pourquoi il m'a jamais aimé? Pourquoi elle était toujours fâchée contre moi? Moi, je voulais juste vivre comme les autres filles. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'ai pas été assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. Pourquoi on pouvait pas être heureux? Parce que c'est un drogué de merde. Tu me quitteras jamais. Promets-moi que tu me quitteras jamais. Je te le promets. Elle est contente. On restera ensemble pour toujours. Pour toujours.
Il faut que tu te reposes. Bonne nuit, Alice. La laisser tranquille, oh mon dieu. Je suis désolé, je coupe la scène. Ça va changer quelque chose, c'est ça le choix là. Ah, ici on... Ah oui, selon ce qui se passe, d'accord. Bah, je m'allonge avec elle. Elle va kiffer ça, non? Allez, ouais, elle est contente. C'est beau. Mais il y avait autre chose, là. Il y avait une autre fin? Ah si, je l'embrassais pas, peut-être. Oh là là, oh là là, oh là là. Toujours plus. Regardez Alice depuis le siège. Ah ouais, donc j'aurais pu... Ah, mais il y avait deux trucs? Ah, mais c'était en ne promettant pas, quoi. Si je ne promettais pas, c'est ça? Il y a tellement de choix que des fois, c'est chiant, parce que... Si on veut vraiment tout faire, après des trucs c'est peut-être pas intéressant, mais... Ouais, je sais pas. Hein. Là où il y avait le motel, tout ça c'est le squat. Voilà, il y a un truc au squat qui nous amenait... qui nous ramenait au parking. Ah ouais, d'accord. Mais en nous faisant skipper tout le truc du parking. Et donc ça, c'était quoi, c'était de... finalement. Mais ouais, au final, mais je sais même pas c'est quoi ce truc. Oh, ce cadenas, j'en ai aucune idée. C'est terrible. Stade du monde. Qu'est-ce que les gens ont très peu fait? Déjà, beaucoup ont parlé à l'Android, hein, et Boer. Tout le monde, en fait, ça devait être obligatoire. 21% ont laissé les vêtements. Ok... 53% sont sortis du marché, c'est-à-dire que c'était possible de pas sortir, mais non, mais... Ah, c'est que c'est parmi tous les joueurs du monde, en gros, ça veut dire qu'il y en a 53 qui sont entrés dans le supermarché, puisqu'il y en a 53 qui sont sortis. Ah non, c'est 81, mais alors, ils ne pouvaient ne pas sortir. Ouais, ça m'étonne pas, je suis sûr qu'ils pouvaient nous aider. Rencontrer Ralph... Ne pas promettre. Ah ouais, il y a très peu de personnes qui ont... Ah bah ouais, tu m'étonnes. Bah écoutez, magnifique. I like it. Ça rime, j'espère que vous avez apprécié.